Amis jardiniers, chers abonnés, bonjour. Eh bien voilà, on vous retrouve enfin pour ce début d'année 2019. Donc on n'a pas tourné depuis la fin d'année, je dirais l'automne quasiment de l'année dernière. Ça s'explique assez facilement dans le sens où on n'est pas trop motivé pour tourner dans le vide, hein, tout simplement. Donc il faut qu'on ait quand même quelque chose de consistant à vous amener, sinon ça ne motive pas le tournage d'une vidéo. Donc là, on va effectivement redémarrer cette année. Alors, ce que je voulais vous montrer ici, ça sera donc la troisième saison du potager qui dit non, et la troisième saison de potager pour nous deux, hein, puisque on peut encore se considérer comme novices en la matière. Donc là, ce que je voulais vous montrer, c'est la serre tomate. La dernière fois que j'ai parlé de la serre, on était à une quarantaine de kilos de tomates, et je me souviens vous avoir dit qu'on espérerait cette année 2019 en récolter plus ou moins 70 kilos. En fin de compte, la production a été plus importante qu'on l'aurait soupçonné, puisqu'on est monté à 90 kilos, à quelques centaines de grammes près, 90 kilos, et on a mangé nos dernières tomates qui ont mûri à la maison le 30 décembre. Donc vraiment, voilà, 9 mètres carrés, 90 kilos, je vous laisse faire le compte. Et encore, on n'a pas cultivé sur les 9 mètres carrés, puisque le fond, là où on doit ajouter un oya qui nous manque, c'était consacré à autre chose que de la tomate, donc on peut considérer quasiment 7 mètres carrés et 90 kilos. On n'est pas des performeurs, hein, mais je pense que certains d'entre vous nous suivent un petit peu pour avoir aussi ce genre d'indication. Je vous dis ça à titre tout à fait indicatif. Ça me paraît plutôt intéressant. Ce que je voulais vous montrer ici, donc sur la serre, dans un premier temps, eh bien, c'est la manière dont on traite notre sol durant l'hiver. Donc, ce que j'ai fait, c'est que voilà, je suis venu étaler du crottin de cheval. Hein, je reste fidèle à mon activateur de sol favori. Hein, ça marche très bien. Et ce que vous voyez là, ce sont les pieds d'œillets d'Inde et là de tomates qu'on est venu sectionner quand on les a arrachés après la culture et laisser sur place. Donc, ils sont en train de pourrir tranquillement ici. Et voilà, c'est dans cette terre, voilà, qu'on continue d'arroser par ailleurs. Voilà, c'est dans ce sol tout à fait excellent, enfin qui est en train de le devenir en tout cas, qu'on va replanter nos tomates en mai prochain. Avec une petite nouveauté, on va essayer une variété beaucoup plus précoce. On espère récolter peut-être en juin les premières tomates avec la variété Édouard. On verra si elle porte, si elle tient ses promesses. J'allais dire si elle porte ses fruits. Si cette variété tient ses promesses. Mais on restera quand même grosso modo sur les mêmes variétés que l'année dernière qui nous ont donné vraiment complètement satisfaction. Hein. Voilà, donc la serre est donc enrichie un petit peu en crottin. Alors j'aime pas trop le terme enrichi dans la mesure où, encore une fois, je le répète, le crottin n'est pas un engrais, n'est pas un fertilisant, pas du tout. Mais notre vie, la vie de notre sol ici sous la serre s'en trouve activée correctement. Et il n'y a pas de vie sans eau, vous le savez. Eh bien voilà, on arrose la serre toutes les 2-3 semaines durant tout l'hiver. Il faut fournir l'effort nécessaire à ouvrir la serre. Alors il n'y a pas de porte, hein. Chez nous, on doit la fermer très hermétiquement par rapport à son exposition aux tempêtes. Mais voilà, on se contraint à venir l'ouvrir très régulièrement et puis arroser. Et on constate effectivement que notre sol se comporte très très bien, au moins aussi bien que le sol extérieur. Et si on faisait pas ça, on risquerait de se retrouver avec une terre poussière en quelque sorte en quelques années, hein. Ça irait très très vite. Donc voilà, c'est vraiment une opération absolument nécessaire. Alors une fois n'est pas coutume, j'en profite de vous avoir avec moi et puis j'en appelle à vos connaissances. On a eu une petite surprise au niveau des poireaux. On a eu des poireaux complètement grignotés. Vraiment grignotés, ça me semble. Alors, j'y connais rien, hein, mais ça me semble vraiment être du dégât de campagnol. On sait que les campagnols sont bien présents ici. Et on les retire, ils sont en place. On les retire. Ils restent en place, hein, ils sont d'apparence tout à fait normaux. Et en fin de compte, ils sont complètement bouffés, quoi. Vous voyez, il n'y a plus rien. Hein. C'est vraiment. Si vous savez, je serais bien content de comprendre un peu ce qui se passe à ce niveau-là. Quel est le ravageur qui, qui,
qu'il conviendrait d'incriminer, quoi, hein, pour ces petits dégâts. Je dis bien petits dégâts parce que bon, on a mis 400 poireaux, on est à deux seulement. Finalement, on en distribue plus aux copains qu'on en consomme nous-mêmes. C'est pas bien grave, hein, y a pas là de quoi s'alarmer. Mais bon, voilà. En tout cas, j'aimerais bien savoir un petit peu quel animal. Je pense que c'est vraiment d'origine animale, ça. Hein, quel animal peut être à l'origine de ce genre de dégâts tout à fait particulier, puisque les poireaux gardent une allure normale. Hein, c'est seulement au moment de les retirer qu'on a eu cette surprise de voir qu'ils étaient. Mais comme dans les cartoons, hein, on peut imaginer un rongeur qui vient les consommer juste sous terre. Bon, voilà. Vous nous dites. Alors, une autre nouveauté intéressante au potager qui dit non, une évolution majeure quand même. C'est vrai que notre outil se perfectionne de plus en plus. Cette fois, c'est clairement le travail, l'investissement du groupe de jardiniers de l'association donc des jardins familiaux de Provins. On peut les remercier, hein, très clairement. Alors, je l'ai déjà fait par ailleurs, mais je réitère mes remerciements ici, vraiment, parce que voilà, ils nous ont permis d'obtenir ce chalet, ce petit chalet en bois, ce petit abri en bois qu'on va pouvoir, dont on va pouvoir bénéficier ici sur le jardin. Et en plus de ça, ils se sont tapé la corvée, eh bien, d'installer la dalle béton et puis le montage du chalet, puisque malheureusement les choses se sont faites un petit peu précipitamment et nous n'étions pas disponibles sur aucune des deux dates retenues pour le coulage de la dalle et pour l'installation du chalet. Les copains qui connaissent mes talents de bricoleur penseront que c'était une très bonne chose finalement, que je ne sois pas là pour peut-être saboter l'installation du chalet lui-même. Mais bon, voilà, on aurait quand même bien aimé y participer. Enfin voilà, merci, voilà, on peut juste aujourd'hui les remercier pour ça, c'est vraiment chouette. Ça nous aidera quand même un petit peu dans le déroulement un petit peu de nos activités ici, hein. On pourra stocker un certain nombre de choses. Alors, on n'a pas besoin de beaucoup d'outillage, vous l'avez compris, si on travaille de sol notamment, mais quelques caisses, enfin voilà, des choses comme ça, ça sera vraiment intéressant de disposer de cet aménagement, de ce dispositif nouveau sur le jardin. Voilà, très bonne chose. Quelqu'un récemment me demandait également si le jardin était visitable. Alors, bah oui, hein, encore une fois, ça fait 150 mètres carrés, c'est pas énorme. Hein. 30 mètres sur 5 mètres environ, hein, c'est vraiment pas grand. Mais on est tout à fait disposé et vraiment heureux d'accueillir. C'est déjà arrivé d'ailleurs par le passé. Tout le monde est le bienvenu, il suffit de me passer un mail et puis on tombe d'accord, quoi. En anticipant si possible, parce que je suis pas mal occupé, j'ai mes activités ornitho aussi par ailleurs qui me prennent du temps, la pêche, enfin bon voilà, il n'y a pas que le jardin, quoi, mais c'est avec grand plaisir que je peux rencontrer des copains du coin ici, faire connaissance et puis échanger toujours. Hein. En parlant d'échange, encore une fois, sur cette année 2018, on a vu le nombre de nos abonnés grossir. C'est toujours pas un objectif pour nous, hein, loin s'en faut. Mais c'est quand même quelque chose qu'on accueille très bien. Ça donne du sens à ce qu'on fait. Donc voilà, merci à tous, hein, pour ça. Et puis n'hésitez pas à partager encore. Plus on est de fous, plus on s'amuse. Et c'est vrai que c'est bien de pouvoir présenter un peu ce qu'on fait comme ça ici et de remettre tout ça en question à travers les échanges qu'on a derrière nos vidéos, quoi. Voilà. Alors c'est de l'huile de lin qu'on est venu mettre sur le chalet. Hein. On n'est pas du tout, on n'est pas ok, quoi, pour les Xyla Décor et Carbonyl et autres saloperies qui se veulent protectrices du bois, mais à quel prix, quoi, hein, finalement, écologique, hein, j'entends. Donc ça, c'est complètement naturel. On fait ça depuis des années, depuis un peu plus de 10 ans maintenant sur notre abri à bois à la maison. Ça fonctionne très très bien, le bois bouge pas. Je pense qu'on sera amené quand même à... Bon, là ça va boire un peu, et puis probablement que d'ici quelques semaines, peut-être courant d'été, on refera une application à la faveur du beau temps. Mais voilà, c'est quelque chose qui devrait correctement protéger le bois, mais durablement, et encore une fois, de manière complètement naturelle, quoi.
Voilà, donc l'huile de lin, pensez-y, c'est une excellente alternative, selon notre expérience, encore une fois, à tout ce qu'on peut vous vendre comme produit plus ou moins apparenté aux pesticides, hein, finalement, avec lesquels on peut être amené à traiter le bois. Oui, bon, on essaye de faire les choses à peu près correctement. Voilà, on est aussi content de pouvoir apposer cette plaque jardin respectueux de la nature, donc qui nous a été offerte par le site Jardiner Autrement, hein, d'accord, animé donc par la Société Nationale d'Horticulture Française. Donc c'est www.jardiner-autrement.fr, je mettrai ce lien dans la description de la vidéo. Je vous encourage à y aller faire un petit tour, c'est vraiment, et puis même à vous y attarder d'ailleurs, c'est vraiment extrêmement intéressant, plein d'infos, plein de choses extrêmement utiles, j'en dis pas plus, allez-y vous-même, et puis regardez ça, constatez un petit peu l'intérêt que ça peut avoir. Pour moi, c'est vraiment un site extrêmement bien animé. Et il se trouve que Jardiner Autrement organise un concours également chaque année. Et l'année dernière, alors je suis pas une bête à concours, hein, pas du tout. Hein. Je crois que c'est peut-être le premier auquel j'ai réellement participé, donc c'était l'année dernière, puisque l'objet de ce concours était simplement de montrer, témoigner, en fin de compte, à travers un dossier qui est très vite ficelé, hein. De quelle manière est-ce qu'on entreprend le jardinage, de quelle manière on entreprend ce jardinage de manière éco, bio, etc. Et de quelle manière on communique également sur les méthodes qu'on essaie de promouvoir, quoi. Voilà. Donc, ça m'a amusé de le faire, et puis ça m'a valu cette récompense, cette petite plaque qui exprime effectivement l'intérêt qu'on a pour le côté bio, absolument bio de notre jardin, d'une part. Et d'autre part, on s'est vu octroyer un lot de 5 bouquins, dont 5 bouquins tous très intéressants. Hein. Il y avait notamment le bouquin de Marcel Boucher sur les lombrics, assez technique, puis d'autres encore. Et notamment un ouvrage sur lequel je m'attarde vraiment, c'est celui de Marc-André Solos, hein, le bouquin de Marc-André Solos qui s'appelle Jamais seul, qui est vraiment extrêmement intéressant. Alors j'avais eu le privilège de voir Marc-André Solos en conférence il y a quelques mois, et je retrouve un petit peu là-dedans tout ce dont il a pu nous faire part au cours de la conférence, mais c'est très très bien écrit. Je vous encourage vraiment, si vous voulez, à lire ce bouquin, si vous voulez comprendre un petit peu ce qui se passe dans le sol, les associations mycorhiziennes, etc. Tout ça est décrit d'une manière extrêmement démocratisée, c'est très accessible, c'est pas dénué d'humour, enfin c'est, voilà. J'ai vraiment beaucoup de plaisir à lire ce bouquin extrêmement instructif, je dis bien, et qui nous permet de encore mieux peut-être appréhender et bien toute la magie de la biologie du sol, quoi. Voilà, c'est à peu près tout pour aujourd'hui. Je ne vais pas vous quitter quand même sans vous rappeler qu'on a rendez-vous avec mon copain permaculteur, qui est formateur, qui fait du conseil, ce genre de choses en permaculture. J'en avais parlé en fin d'année dernière. On a convenu avec lui de se voir au printemps pour réaliser un tournage un petit peu autour de son activité. La prochaine vidéo du potager qui dit non, ce sera de nouveau une excursion dans le jardin d'ornement. Il y sera question de la haie. Non pas de ce qui compose la haie, mais plutôt de la manière dont on doit l'aménager. Enfin, on en reparlera à ce moment-là. Et puis, le potager à proprement parler, ça va bientôt reprendre. Hein. Il me tarde de semer de nouveau. Là, je suis un peu dans les starting blocks, comme beaucoup d'entre vous. Certains ont même déjà démarré. C'est ce que j'ai pu voir sur les vidéos des copains, ici ou là. On va encore patienter un peu. Nous, peut-être fin février, on commencera avec les petits pois. Et puis après, voilà, on prendra le relais avec les tomates, ce genre de choses en intérieur, en attendant de pouvoir venir les installer ici.
Et puis peut-être aussi une prochaine vidéo au potager qui sera consacrée à un amendement calcique, non plus une correction comme j'ai pu le faire il y a maintenant 2 ans au départ du jardin, mais un amendement plutôt qui vise à entretenir le taux de calcium de notre sol. Voilà, donc ce sera plutôt de l'agronomie, non plus avec du carbonate de calcium, mais peut-être avec une autre forme de calcium dont devrait me faire bénéficier aussi un copain agriculteur là d'ici peu. On a eu une discussion intéressante à ce sujet. Si ça se concrétise toutefois, je ne manquerai pas de partager ça avec vous. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci encore de nous avoir suivis et je vous dis à très bientôt au potager qui dit non. Ciao, ciao.